Dans cette vidéo, on va voir les pires avis sur Elden Ring, le meilleur jeu du monde. Et pour chaque personne, j'enverrai une réponse en commentaire. Et à la fin, on verra toutes les réponses que j'ai reçues. Donc le premier avis, c'est Gopper qui dit sans doute le jeu de l'année, mais j'ai perdu mon taf et ma femme. En vrai, c'est triste, mais c'est pas triste parce que regarde, il a 213 heures. Est-ce que dans son travail et avec sa femme, il a eu ne stress que une heure équivalente au plaisir d'Elden Ring? Maintenant, t'as l'occasion de devenir Guts. C'est vrai ça. Avec sa femme, il peut pas faire de build force, de build Guts avec le grand espadon. Enfin, lui, il utilise un autre grand espadon, mais ça, c'est autre chose. Là, bah du coup, je vais lui demander s'il a retrouvé une femme et un travail depuis. Retrouver un taf et une femme depuis. On verra à la fin s'il répond. Miyazaki, je vais sur ton palier de porte, tu m'entends? Rends mes 30 000 runes. Attends, rends mes 30 000 runes. Et en plus, dans tous les cas, en vrai, ça va, 30 000 runes. Franchement, il y a pire. De toute façon, ça me rappelle même au début quand je commençais le jeu. Je perdais des 500, 1000 runes, 1500. Merde, je vais pas récupérer mes runes. Je suis mort. Non, 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 mes runes. Mais j'ai 1500 runes, je vais tout perdre. 1500, c'est rien. Je m'en fous. Non, c'est vraiment pas grave. Non, mais si, c'est grave, mec. Malenia, c'est une. Wesh! Quoi? Comme ça, d'un coup, sans rien. C'est quoi les tarifs de Malenia, du coup? Je suis un peu gourmand. Carrément, je rajoute un emoji. Attends. Le truc, là, Yumi Yumi, je sais pas quoi, où il tire la langue. Il est comme ça. Ah, là, c'est lui. C'est trop dur aussi, les mobs ils me frappent tout le temps, je peux pas me soigner tranquille. Par contre les meufs, elles sont bonnes. Non en vrai ça va, franchement les mobs sur Elden Ring c'est pas comme Dark Souls 3. Parce que Dark Souls 3 pour ceux qui y ont joué, ce qui se passe c'est que je peux fight la gargouille tranquillement. Au début je suis tranquille et d'un coup t'as 40 flammes qui sortent de nulle part. Et tiens ça et tiens ça et tiens ça et tiens ça. Et bravo t'es mort. Ah. Lui aussi le chevalier d'or là, le premier sentinelle de l'arbre, il a fait rager. Il a joué combien de temps? 125 heures. Bon au moins il a fini le jeu. Ah 5 heures lors de l'évaluation. Ça veut dire il a passé 5 heures sur le premier boss, le sentinelle de l'arbre. Il a mis son commentaire pour insulter le sentinelle de l'arbre. Moi aussi comment il m'avait trop saoulé. Mais t'as vu comment j'ai couru? La vérité, j'ai vu venir le saut, je me suis éloigné. Le truc c'est que moi tellement je suis borné, j'aurais pu laisser le boss et j'y vais et plus tard je viendrai ou j'en sais rien. Non 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 non, moi je me suis dit tant que je le bats pas, je commence pas le jeu. Le boss, il faut le faire un peu plus tard dans le jeu. Ouais, je sais mais j'ai envie de le faire direct. Vu comment je l'ai fait, je le connais par cœur, il faut que je le fasse maintenant. Lui aussi le sentinelle de l'arbre au début d'Elden Ring, putain ça va t'es. Juste imbuvable, injouable, aucun plaisir à crever toutes les deux secondes au départ. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts, mais alors du coup les gens qui aiment ce genre de jeu doivent vraiment avoir la tête de l'emploi. Ça... Quoi? Alors lui, la vérité je le signale, cette personne publie du contenu inapproprié ou choquant. Oui, il a dit que les gens qui aiment Elden Ring ont la tête de l'emploi. Ils méritent un bon bannissement de 1 mois avec uniquement Elden Ring de disponible. La tête de l'emploi, je sais pas quoi. Merci, ce profil va vérifier l'équipe de modération de Valve. Vous recevrez une notification si des mesures sont prises. Et bah je vous dirai à la fin de la vidéo, on verra dans une semaine s'il y a eu des modifications ou pas. Franchement, il faut un mode facile, c'est pas possible. On est plus dans les années 90. Non, Elden Ring, c'est littéralement le jeu qui est fait pour ne pas avoir de mode facile. Non, franchement, s'il y a des gens de chez From Software qui m'écoutent, et je sais que vous m'écoutez, ne mettez pas de mode facile, écoutez pas ces gens. De toute façon, à partir du moment où tu crées des jeux comme ça depuis longtemps, ça fait 20-30 ans qu'ils l'ont pas mis, c'est pas demain qu'ils vont le mettre. On peut pas se mettre en couple avec Malenia. Ouais, il y a tout le monde qui voulait Malenia ou quoi, frère? Elle est que pour moi, je partage pas. Y'a l'autre aussi, et même les pieds de Rani, je sais pas quoi. Bon, ça, je pense que c'est plus pour l'humour, mais c'est un délire. Revenez quand un mode facile sera disponible, Margit est intuable, alors j'imagine pas la suite. C'est juste inadmissible de sortir un jeu comme ça en 2022. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le jeu, il est compliqué, mais tout le monde n'était pas prêt à accepter cette difficulté. Moi, je partais du principe que j'allais en baver, je savais déjà. Et dans tous les cas, quand tu pars avec la mentalité de je continue le boss et je m'arrête pas tant que j'ai pas vaincu, il y a forcément un moment où tu peux le vaincre, et c'est juste qu'il parfois il est trop loin. Ah, mais du coup, Margit, il a réussi, tu sais, quand il dit put this foolish ambition to rest. Ouais, je sais, alors il a l'accent anglais, tout ça, America. Bref, et ben il a réussi à lui faire reposer ses ambitions. Le PVP, il peut les. On est d'accord. Par contre, le PVP, pour l'avoir testé aussi en live, c'est une dinguerie. T'es là, t'es loin, mais il faut mettre un coup à distance et espérer que ça touche. Des fois, ça touche 2-3 secondes après. C'est incompréhensible, et là. Ouais. Alors dès comme ça j'en ai rarement vu. J'ai pour Mazo avec des boss complètement cheatés pour gonfler le temps de jeu. Est-ce que je serais Mazo? Non. Puis sa mère, je l'ai payé 3 fois et j'arrive pas avec le premier boss. Il avait 37 heures. Ça veut dire en 37 heures de jeu, il a pas réussi à vaincre le sentinelle de l'art. Moi déjà j'étais très nul, j'ai passé 3h30 peut-être, un truc comme ça. Mais 37 heures, oh là là, j'imagine pas la souffrance. Produire aucune possibilité de régler la difficulté, du moins sans tricher, dommage. Mais c'est quoi ces gens qui... En fait, le monde, il est plein de chouchottes, hein. Jeu infinissable, surtout dans la grotte du savoir, le soldat Godric est infâme. Attends. Me dis pas qu'il parle du tout premier boss, là, quand tu commences le jeu. Après, moi, ça, je l'ai pas fait, je l'ai fait seulement quand j'ai fini le jeu, je suis tombé dessus par hasard. Là, tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une nouvelle try, une nouvelle run, et je vais essayer de le vaincre. Mais je serai intransigeant, hein. Si le boss, il est simple quand tu commences le jeu, c'est qu'il est simple et vous êtes des chouchottes. Ok, j'ai trouvé le portail, c'est ici qu'il est. Vas-y, on va traverser le brouillard. En fait, j'ai capté, tout ce qu'il y a ici, c'est un tuto. Moi, j'ai commencé le jeu directement, j'aurais dû passer là au début, mais c'est pas grave. Go 1v1, le soldat de Godric. Hop. Mais je lui fais beaucoup de dégâts. Oh, non, merde, j'ai pris un coup, c'est pas grave.
Non, la vérité, c'est un menteur. Hein. C'est un gros menteur, le mec qui a dit ça. Non, c'est pas un menteur, il est trop nul. Eh, je sais pas, mais moi, je me disais, quand tu commences le jeu, peut-être qu'à bas niveau, il est trop compliqué ou quoi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, trop compliqué. Hein. Moi, c'est bon, j'ai debunk son avis. Ok, après réflexion et surtout quelques heures de jeu, j'ai enfin réussi à passer le soldat. Je vous tiens au courant pour la suite. Eh, j'avais pas vu la partie en dessous, en fait. Ça sent l'excrément, la caméra part en vrille tout le temps. Non, 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 ça, par contre, je suis pas d'accord. Pour moi qui fais actuellement Sekiro, laisse tomber, tu lock, mais dès que tu te rapproches un peu, ça regarde bizarrement, ça regarde le mur. Je le dis, la caméra d'Elden Ring, c'est la meilleure parmi tous les From Software. Aucun support, 21 sur 9, sans risque de ban. C'est quoi 21.9? De quoi il parle? Attends, je vais chercher. How well is in 2022? Mais c'est quoi 21.9? What is 21.9? Mais non, pas divisé par 9. Ah, j'ai capté. Moi, je pensais que c'est le support support client, SAV, tout ça. Non, c'est le jeu, il supporte pas la résolution 21.9. Ah, mais fallait me dire. Mais pourquoi il joue sur un écran de Formule 1 aussi, lui? Attends, je vais l'engueuler un peu. Mais pourquoi tu veux jouer à Elden Ring sur un écran de F1? Par contre, j'ai vu qu'il a joué à Nioh. Ouais, il a joué à Nioh 79 sur 79. Je le valide, lui. Hein. La fin trop dure, pas envie de passer 10 heures par boss. 10 heures, t'abuses, frère. Les gens, par défaut, ils ont pas le cerveau, ils ont pas... 4000 heures! Why? Attends. Wesh, il est NG plus 63, lui. Attends, il avait 1200 heures quand il a mis. Je suis obligé de désinstaller à chaque match. Je vais passer à autre chose. Ah, t'inquiète, il est pas passé à autre chose, hein. Attends, 4000 heures, ça représente combien de temps? 166 jours! Sachant que le jeu, il est sorti en 2022, donc en 2 ans. Les deux dernières années, il a passé un quart de son temps à jouer à Elden Ring. Quasi un quart de chaque journée. Il a dû jouer 6 heures par jour. Why? Mais c'est quoi ce fou? C'est de la merde. Ouais, je vais lui dire une réponse aussi courte que lui, hein. Une erreur survenue lors de l'écriture de ce commentaire. Retour dans votre monde. Hein? Tout est bien sauf Malenia. Ah ouais, Malenia, elle est... Non, en vrai, c'est un bon boss qui met de la difficulté et tout, mais... Elle est chiante à fight. Jeu de merde pour NPC qui aime attendre. Ok, flemme de try 45 fois un boss. Quoi, 45? Ah, moi je trouve ça va 45 fois. 45 fois, c'est genre une heure et demie. Pour moi, c'est normal sur un boss. Mais tu me dirais flemme de try 150 fois, 200. À partir de là, je comprends. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Hein. Essayez de préserver votre santé mentale. Jouer à LOL, c'est mieux, c'est faux. Mais en vrai, en parlant de santé mentale, moi je pense que Elden Ring, ça aide à développer sa mentalité. Ça t'enseigne littéralement l'une des leçons les plus importantes dans la vie. Il faut persévérer et apprendre de ses erreurs. Ah, on peut nager? Ah, mais je savais pas ça! Mais ouais! Je pense qu'il y a peu de jeux où tu peux atteindre cet état mental où le boss il t'a frustré, t'es là depuis trop longtemps, ça fait 6 heures t'es dessus et tu dis non t'inquiète la prochaine try je l'ai. Et du coup je sais tu vois je commence par essayer de le stun, j'essaie vraiment volontairement d'esquiver et justement c'est ça en fait. Mais bref du coup c'est parti pour voir les réponses que j'ai reçues. Bon c'est parti, je sais pas il s'est passé combien de temps entre temps mais ce que je sais c'est qu'on a des réponses à voir. Ah oui par rapport au sentinelle de l'arbre. T'inquiète moi aussi j'étais mauvais mais histoire de savoir qui était pire, t'as passé combien de temps sur le premier boss sentinelle de l'arbre. Je ne me souviens pas mais 3 heures pour Margit et 6 heures pour Godric. Ah ouais Godric je l'ai fait vite mais le problème c'est que en fait je connaissais même pas Godric, tu sais, j'ai fait Margit, j'ai avancé tout droit, et après on m'a dit, mon pote, reviens en arrière avec Godric. Donc je suis revenu en arrière, et j'étais over level, donc j'ai tué trop facilement. Ah, du coup, il m'a pas répondu par rapport au tarif de Malenia, lui, hein. Mais il voulait tout garder pour lui, il a rien. D'ailleurs, il faut qu'on voit aussi celui que j'ai signalé. Est-ce qu'il s'est fait ban ou pas? Je me pose la question, attends. Ah, c'est lui! Il avait dit quoi déjà, la tête de l'emploi, je sais pas quoi. Ce profil est privé. Il s'est fait ban ou pas? Mais ils font quoi chez Valve, frère? Ils voient pas qu'il y a des gens qui sont dangereux pour la société? Oh! Attends, mais t'es en train de me dire qu'il y a seulement un mec qui m'a répondu? Je pue à ce point pour pas qu'on me réponde. Ah mais c'est Carlos. Allô. Ouais ça va. Ouais je suis en train de tourner une vidéo tranquille. Non t'inquiète tu me déranges pas. Ouais j'ai pris que des gens. Ouais d'accord t'as vu. Mais non mais c'est pas la question. Vas-y mais t'es là depuis quand toi d'ailleurs? Jure. Ok Carlos, juste t'emporte pas trop. Tu passeras le bonjour à Pablo. Et passe une bonne soirée. Moi je vous laisse hein. En tout cas merci et salut.